Nous remercions chaleureusement notre collègue du Musée du Louvre et amie de longue date, Sophie Clouzon, même si nous regrettons qu'elle n'ait pas pu nous introduire. Mais merci à Véronique Bataille pour cette introduction. Et merci aux autres organisatrices et organisateurs de ce colloque pour avoir pensé à inclure le dossier ougaritique dans ce programme. Comme nous le verrons, le dossier du déchiffrement de l'ougaritique présente plusieurs épisodes instructifs, surprenants et même ludiques d'un point de vue à la fois scientifique et humain. Et c'est à ces égards que ce dossier a des choses certaines, a contribué aux approches comparatistes et transdisciplinaires qui sont au cœur de ce colloque. L'année 1930 était l'année clé pour le déchiffrement de l'alphabet cunéiforme du royaume d'Ugarit. En début de janvier 1931, les efforts croisés et parfois indépendants de Charles Virolo, de Hans Bauer et de Paul Dorme, pris dans leur ensemble, avaient réussi à proposer des identifications essentiellement correctes de 25 signes sur 30, ce qui est considérable. L'année 1931 allait voir d'autres avancées et, à quelques exceptions près, en janvier 1932, donc en moins de 2 ans, le déchiffrement de l'ougaritique était essentiellement complet et les résultats publiés. Les jalons grands comme petits dont ce travail progressif ont été retracés avec perception, discernement et une documentation approfondie par Peggy Day en 2002. Et ceci n'est guère le lieu de répéter son étude dans les détails. Le déchiffrement de l'ougaritique s'est fondé sur plusieurs suppositions. 1. Que l'écriture notée était alphabétique et non syllabique ni logographique. Cette supposition était faite par Virolo déjà en 1929 et elle était fondée sur l'inventaire réduit de signes, avec un total de 30 signes seulement, appropriés pour un alphabet, moins appropriés pour un logosyllabaire. Deuxième supposition, que le système ne notait pas les éléments vocaliques de la langue. C'est-à-dire, ça serait essentiellement le squelette consonantique qui soit noté. Et cette supposition aussi était faite par Virolo dès 1929. Elle était fondée sur l'usage des traits de séparation entre des mots qui donnaient des mots composés de seulement 1, 2 ou 3 ou 4 signes. Donc quelques exemples de mots avec un seul signe. Troisième supposition, que la langue notée par cette écriture alphabétique était une langue ouest-sémitique et donc apparentée aux langues ouest-sémitiques bien connues telles que l'arabe ou l'hébreu. Cette supposition a été faite par Bauer et par Dorme en 1930, mais elle ne semble pas avoir été retenue par Virolo, au moins pas au début. Voilà l'ensemble des suppositions qui, appliquées avec rigueur au corpus d'une petite cinquantaine seulement de tablettes et fragments, publiés en fac-similé par Virolo, en tome 10 de la revue Syria, en avril 1930, ont permis un déchiffrement intégral en 2 ans. Si nous passons à la présentation du contexte du déchiffrement de l'ougaritique, celle-ci doit se commencer avec Charles Virolo. Armé de sa formation en assyriologie, ainsi que 2 formations auxiliaires, diplômé d'arabe en 1910 et diplômé de persan en 1912, tous 2 de l'École des langues orientales, Virolo s'est vu nommé en 1920 à un poste diplomatique important à Beyrouth, la direction du service des antiquités du mandat français. Et pendant les prochaines années, il allait pouvoir contribuer de près à la création des musées de Beyrouth, de Damas et d'Alep. C'est aussi à ce poste qu'il assiste à une série de découvertes archéologiques tout à fait exceptionnelles. D'abord à Djebel, l'ancien Byblos, sujet qui fait toujours de l'actualité pour nos collègues du musée du Louvre. Et ensuite, une deuxième découverte exceptionnelle a eu lieu quelques années plus tard à Minnet El Beida et à Ras Chamra, 2 sites liés sur la côte à 10 kilomètres au nord de Latakia en Syrie. La découverte fortuite d'une tombe à Minnet El Beida en 1928 a convaincu Virolo d'y expédier l'archéologue français Claude Schaeffer
pour mener l'investigation archéologique sur place. Et après des premières fouilles à Minatel Beda, l'intérêt de Schaeffer s'est tourné rapidement vers l'hôtel de Rachamra, situé à 1 kilomètre environ à l'est de Minatel Beda. Et les fouilles menées sur l'acropole de Rachamra ont presque tout de suite livré un lot modeste, mais finalement important, d'une cinquantaine de tablettes en argile, inscrites, avec un inventaire de caractères cunéiformes alors inconnu au monde savant. Si nous comptons aujourd'hui Charles Viollo parmi les déchiffreurs de l'ougaritique, c'est grâce à son travail pionnier sur ce corpus complètement inédit et insoupçonné, qu'il a entrepris en parallèle avec son travail diplomatique pour le service des Antiquités. Mais comme vous le savez, Charles Viollo n'est pas le seul nom que nous associons à ces déchiffrements. On y ajoute, et c'est communément admis, les noms du sémitisant allemand Hans Bauer, et ce savant était déjà bien connu à l'époque pour son travail sur la grammaire historique de l'hébreu, par exemple, ainsi que le nom du français Édouard Dorme. Édouard Dorme se nommait alors Paul Dorme, ayant été ordonné prêtre sous ce nom dans la communauté des prêtres fraîcheurs à Jérusalem en 1904. Et à partir de 1923 jusqu'en 1931, Dorme dirigeait l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, ainsi que sa célèbre revue biblique. Dans l'optique de mieux contextualiser les efforts de ces trois protagonistes, on pourrait aussi se permettre de signaler que cette année 1930, cette année clé 1930, était également une période assez mouvementée, aussi bien pour Charles Viollo que pour Édouard Dorme. En 1930, Paul Dorme travaillait de façon ardue sur le déchiffrement, et en 1931, il publie non seulement sa version du déchiffrement, mais aussi une traduction française du corpus connu jusque-là. 1931 est aussi la même année où il quitte, de façon assez subite, paraît-il, la direction de l'école biblique, ainsi que celle de la revue biblique. À partir de 1931, il arrête de signer son nom Paul et signe désormais Édouard. Il rentre en France, où il enseigne un an à l'Université de Lyon. Il se marie. Et ensuite, il rejoint l'École pratique des hautes études en 1933 à la chaire d'une direction d'études intitulée tout simplement Hébreu. Pour Viollo, le mouvement était surtout sur le plan professionnel. En poste à Beyrouth depuis presque une décennie, il se voit soudain renvoyé à Paris dans des circonstances peu claires. Quoi qu'il en soit, et malgré son absence du terrain, Viollo a néanmoins réussi à garder la main, entre guillemets, sur le corpus alphabétique de Rachamra, et c'est lui le premier qui inaugure les études ugaritiques en publiant ses facsimilés qui figurent dans le tome 10 de la revue Syria. Et pendant les 30 ans à suivre, c'est lui qui publie presque toutes les tablettes en Edidio Princeps. Notons aussi au passage que de retour de Paris en 1930, il accepte une charge de conférence à l'École pratique des hautes études et que parmi ses auditeurs, ses premiers auditeurs, figure une certaine Mademoiselle Erdener, nom qui allait être célèbre plus tard dans cette discipline. Une chaire de direction d'études lui est proposée en 1937, intitulée « Religion des Sémites occidentaux », et à partir de 1933, donc, et pendant des décennies à suivre, Viollo et Dorme sont désormais collègues à l'école pratique. C'est devant ces quelques éléments de contexte ou d'arrière-plan qu'allaient jouer les tentatives de déchiffrement de 1930, poursuivies et complétées en 1931. On en reviendra sur certains détails problématiques vers la fin de cette communication. Mais pour l'instant, avançons en janvier 1932, devant un fait accompli. L'alphabet ugaritique déchiffré avec succès par les efforts parfois indépendants, parfois conjoints, de Viollo, Bauer et Dorme. En 1932, le caractère et l'emploi de l'alphabet cunéiforme à 30 signes pour l'ugaritique, c'est-à-dire pour la langue vernaculaire ouest-sémitique du royaume, est désormais établi. Mais qu'en est-il de son emploi pour d'autres langues ? Un tel élargissement de perspective nous oblige à prendre quelques pas de recul et de considérer non pas l'année 1930, mais plutôt une décennie entière, disons allant de 1930 à 1939. Nous avons déjà vu que la supposition que la langue notée était ouest-sémitique était un élément clé pour ce déchiffrement. Or, pendant cette première décennie, des trouvailles épigraphiques à Rachamra
émergent deux autres corpus qui déploient ces mêmes inventaires cunéiformes alphabétiques à 30 signes, mais pour des langues autres que le graïtique, en l'occurrence pour l'acadien, le babylonien, et pour le hourrite. Notre collègue du musée du Louvre, Véronique Pataï, va sûrement entrer dans ces questions de façon plus approfondie demain, mais pour l'instant, et en ce qui concerne l'alphabet cunéiforme du garite, à peine déchiffré, il suffit de rappeler qu'en ce moment, au début des années 30, ce que le monde savant connaissait de la langue hourrite était assez limité. En effet, si vous lisez les descriptions de la phonologie hourrite publiées avant le déchiffrement de l'alphabet cunéiforme du garite, c'est la confusion totale qui règne. Et c'est là où l'apport du déchiffrement conjoint de Virolo, Bauer et Dorm était absolument décisif, car l'alphabet ougaritique enregistre systématiquement des distinctions consonantiques fines, telles que la différence entre consonnes sourdes et sonores, par exemple « p » et « b », « que » et « g », « t » et « de », etc. Et ces distinctions fines sont finalement fondamentales en hourrite. Peu après le déchiffrement de l'alphabet ougaritique, donc, on arrive rapidement au constat que les textes alphabétiques hourrites permettaient donc d'établir définitivement que ces paires de consonnes sourdes et sonores, par exemple, que nous venons de mentionner, sont en fait des paires d'allophones, dans les mêmes phonèmes en distribution complémentaire. Des considérations de temps nous empêchent de rentrer dans le même niveau de détail sur le corpus de 4 ou 5 textes en babylonien alphabétique issus des fouilles de Rachamois en 1933, mais parce qu'une présentation à la fois récente et détaillée existe, nous nous permettons de vous renvoyer à celle-ci, publiée dans l'ouvrage collectif A History of Akkadian, paru en 2020 ou 2021, j'oublie. Il suffit de dire que, tout comme pour le dossier hourrite alphabétique, les choix de signes opérés par les scribes ougaritains pour rendre les sons du babylonien sont tout aussi intéressants. Ayant fait ainsi le tour de l'alphabet cunéiforme ougaritique classique à 30 signes et son emploi pour noter non seulement la langue ouest-sémitique vernaculaire que nous, les modernes, nommons ougaritique, mais aussi pour le babylonien et le hourrite, il convient maintenant de poser la question des autres alphabets cunéiformes. On en parle peu, mais comme vous le savez peut-être, on connaît non pas un alphabet cunéiforme à ougarite, en ougarite en particulier, en Méditerranée orientale de façon plus large, mais trois. Ces trois alphabets cunéiformes différents se distinguent les uns des autres par leur nombre de signes, 30, 27 ou 22, par la forme que présentent ces signes, il y a pas mal de variations, et enfin, par l'orientation et la direction de l'écriture, dextrogyre, de gauche à droite, sénestrogyre, de droite à gauche, voire les deux, boustrophédone. La fourchette chronologique qui nous concerne dans cette partie de notre communication, la décennie entre 1930 et 1939, est également celle concernée pour les débuts de notre connaissance de chacun de ces deux autres alphabets cunéiformes, qui doivent être qualifiés eux aussi de statistiquement minoritaires, car ni l'un ni l'autre n'était apparemment utilisé à Ougarit à la même échelle que l'alphabet classique à 30 signes, mais ils étaient connus tous les deux. Le premier alphabet cunéiforme mineur, l'alphabet court, sénestrogyre à 22 signes, est attesté dans les fouilles à Rachamois dès 1933, un fragment de texte administratif venant de l'acrobole que vous voyez à gauche, et cette anse de jarre que vous voyez à droite, retrouvée à Minutel Beda en 1934. Étant fragmentaires tous les deux, Virolo n'avait pas alors assez d'éléments en main pour comprendre qu'il s'agissait bel et bien d'un inventaire réduit à 22 signes. Et ainsi, le précurseur de l'alphabet linéaire araméen et cananéen qui allait avoir autant de succès au Levant à partir de l'âge du fer. Virolo avait déjà remarqué en 1934 qu'il s'agissait, je le cite, « d'écriture retournée, c'est-à-dire dirigée de droite à gauche, comme dans les inscriptions cananiennes. » Et il l'avait vu juste. Pour l'anse de jarre, Virolo tente une interprétation, une lecture et une interprétation, ce qui nécessite d'avoir attribué des valeurs aux nouvelles formes que présentent certains signes. Et il semble avoir eu raison pour certaines d'entre elles, par exemple la forme nouvelle du « m ».
Pour des raisons de temps, nous n'en dirons pas plus sur cet alphabet court, car nos études sont en cours, mais il suffit de dire qu'il fallait attendre la découverte à Ugarit en 1959 d'un troisième texte plus complet, rédigé dans cet même inventaire réduit, afin de commencer d'en comprendre les implications. La transition vers le deuxième alphabet cunéiforme mineur se fait facilement en suivant l'article de Virolo que nous venons de mentionner, car en confrontant l'étrange anse de Jarre avec inscription Sénestogir, retrouvée à Minatel Beda, Virolo fait allusion à une autre tablette cunéiforme, retrouvée à Beth Shemesh, en Palestine, un an plus tôt, qui semble également présenter, elle aussi, une écriture cunéiforme à Sénestogir, que Virolo tente de lire d'après les photographies publiées. Ce texte curieux allait rester 50 ans sans révéler ses secrets, mais dès les années 80, deux découvertes totalement indépendantes vont en fournir la clé. D'une part, un chercheur russe dénommé Lundin va publier en 1987 son interprétation du texte énigmatique de Beth Shemesh. Pour lui, il s'agit d'un abécédaire, mais suivant un autre ordre, non pas alphabet de gamme, mais halaham, ordre connu en sud-arabique et éthiopien dans les textes pédagogiques, mais de date beaucoup plus récente. La proposition géniale de Lundin n'allait peut-être pas trouver des défenseurs si ce n'était que pour la découverte fortuite dans les fouilles de 1980 à Rachamois d'un exemplaire complet, plutôt bien conservé, de ce même ordre alphabétique halacham, alors cette fois-ci qui se présente dans une direction d'extrogir. Cette dernière tablette demeure une vraie curiosité. S'agit-il d'une pièce de collection? Ce n'est pas impossible, mais ce qui est sûr, c'est que sans cette tablette retrouvée enfouie, la bonne lecture du texte de Beth Shemesh serait sans doute restée incertaine. Sur cette note des aléas imprévisibles dans les tentatives de déchiffrement, nous pouvons maintenant revenir pour terminer sur les célèbres herminettes conservées ou ugaritiques conservées au musée du Louvre. Terminons avec quelques réflexions sur la nature de ce déchiffrement. Nous avons déjà admis qu'il était rapide, ce qui est vrai. Mais en faisant ces constats, nous avons peut-être à tort donné l'impression que ces avancées, certes rapides, étaient aussi linéaires, ce qui est loin d'être le cas. Hans Bauer a eu le tome 10 de Syria entre ses mains à la mi-avril 1930. 5 ou 6 jours plus tard seulement, convaincu qu'il avait correctement identifié la plupart des valeurs, il écrit à René Dussault du musée du Louvre pour annoncer les bonnes nouvelles. En même temps, à Jérusalem, Paul Dorm, également penché sur ce même travail, à partir des facsimilés de Virolo, apprend que le professeur Bauer avait réussi. Quand Dorm apprend la bonne nouvelle, il suppose que cette dernière était arrivée essentiellement aux mêmes solutions que lui. Un échange épistolaire féconde s'ensuit, pendant lequel Dorm constate, avec un peu de consternation sans doute, que leurs déchiffrements respectifs étaient très différents l'un de l'autre. Les travaux de Bauer permettaient à Dorm de sortir de certains impasses, et inversement, Bauer donne explicitement le crédit à Dorm pour avoir correctement identifié 8 signes, là où ses propres premières solutions étaient désormais jugées fautives. C'est à la suite de ces va-et-vient que nous arrivons enfin, en début de janvier 1931, au chiffre de 25 identifications correctes sur 30. Mais comment expliquer la rapidité surprenante de Dorm et surtout Bauer? Certes, leurs expériences en décodage dans leurs pays respectifs pendant la Première Guerre mondiale en étaient pour quelque chose. Mais au-delà de cette expérience, il fallait une porte d'entrée. Et à son crédit, c'est Virolo qui, dans les premières pages de son article en Syria 10, avait explicitement proposé cette porte d'entrée, qui permettait Bauer et Dorm, à leur tour, d'aller très vite. Ce qui est finalement non seulement ironique et paradoxal, mais aussi assez ludique, est le fait que 2 suppositions sur 3, avancées par Virolo et acceptées par Bauer et Dorm, étaient finalement fausses. Mais malgré le caractère erroné, la porte d'entrée a néanmoins fonctionné. On peut se demander combien de fois, dans les différents déchiffrements, de tels faux départs arrivent néanmoins à des résultats légitimes et solides. Quelques derniers mots sur ce faux départ en particulier, qui a néanmoins marché. On arrive enfin au célèbre herminette, qui jouait effectivement un rôle majeur dans le déchiffrement. Virolo avait remarqué que les 5 herminettes retrouvées en 1929 portaient
toutes à peu près la même séquence de six signes, et vous savez à quel point les séquences répétées sont importantes. En outre, et un point également important, Virolo avait aussi remarqué qu'un des documents retrouvés en 1929, fragmentaire certes, mais dont le début a été conservé, commençait justement après un signe isolé par cette même séquence. Donc vous voyez la séquence de six lignes précédée par un signe mystérieux et la séquence des six signes dans chacun des herminettes, sauf celui-ci qui a un élément supplémentaire. Ces circonstances permettent à Virolo de formuler trois postulats suivants. Le document à droite est une lettre et la particule isolée correspond à l'équivalent ougaritique de la préposition acadienne « en un », « à » ou « pour » et qui se trouve au début des lettres. Ce postulat s'avère vrai. Postulat 2. La séquence répétée en question de six signes, qu'on retrouve non seulement au début de la lettre, mais aussi sur les cinq herminettes, est un nom propre. Ce postulat va s'avérer faux. Ce n'est pas un nom propre, mais un titre, le chef des prêtres. En revanche, la suite de son postulat semble légitime. Il s'agit du propriétaire des herminettes et le destinataire de la lettre. Postulat 3. Enfin, quant à l'herminette qui présente un mot supplémentaire à quatre signes avant le soi-disant nom propre, qui n'en est pas un, celui-ci. Virolo suppute, avec des parallèles à l'appui, que ce mot désigne l'objet lui-même et donc véhicule le sens H, herminette. Ce postulat est faux. Bauer et Dorme acceptaient et adoptaient ces trois postulats. Et ce sont ces trois postulats qui leur ont permis d'arriver à un déchiffrement partiellement correct, malgré le caractère faux de deux postulats sur trois, ce qui est rien de moins que remarquable. Là où Bauer et Dorme ont pu aller beaucoup plus vite, c'était à partir d'une supposition supplémentaire selon laquelle la langue notée par cette nouvelle écriture était une langue ouest-sémitique, apparentée à l'arabe, l'hébreu, l'araméen, etc. Donc s'ajoutent deux postulats supplémentaires. D'abord, en cinquième, la préposition à un signe au début de la lettre devait être elle, li en arabe, le en araméen, en hébreu biblique, qui est effectivement le parfait équivalent d'ana en acadien. Cette solution est juste. La valeur L est désormais acquise. On arrive donc au sixième postulat qui découle de leur supposition. Le mot à quatre signes sur la cinquième herminette, avec la séquence répétée, devrait être un substantif qui veut dire H, herminette. Or, Bauer et Dorme connaissaient un tel mot dans une inscription judéenne du premier millénaire, connue déjà depuis quelques décennies, où figure justement le substantif H ou herminette. Celui-ci s'écrit Gerzene, Garzene, Garzone, peu importe. Donc, Bauer et Dorme supposent que ce premier mot dans le texte du Grec est l'équivalent de ce substantif Garzan, Garzanu. Et ils instrumentalisent cette supposition pour identifier quatre valeurs supplémentaires. On est avec ces mots ici. Le premier signe serait G, ce qui est faux. Le deuxième signe serait R, ce qui est vrai, mais c'est un coup de chance, car rien à voir avec le mot pour H. Le troisième signe serait Z, ce qui est faux. Et enfin, le quatrième et dernier signe serait N, ce qui est vrai. Mais là encore, c'est un coup de chance, rien à voir avec le substantif H. Nous sommes entrés dans les détails pour cet exemple, justement pour illustrer les aléas alambiqués qui doivent, nous le supposons, caractériser toute tentative de déchiffrement, complexe et moins complexe. En résumé, il y avait de la méthode, oui, certes, dans les travaux de Virolo, de Bauer et de Dorme, mais il y avait aussi une bonne dose d'intuition et surtout de la chance, tout simplement. Merci.